Découvrir le monde, comprendre le désir des photographes, admettre les différences, c'est tout cela que j'ai compris durant cette 11e édition d'Images Singulières. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à 7. Dans le cadre d'Images Singulières, nous allons visiter 9 expositions qui vont, j'espère, vous faire plaisir. Et voici donc la première exposition photographique dans un ancien collège Victor Hugo. Nous sommes au réservoir dans une galerie d'art qui allie la peinture, la sculpture et la photographie. Si tout cela vous intéresse, surtout venez car c'est très grand et magnifique comme lieu. Dubaï est la débauche de ses représentants, telle est la devise de Nick Hans qui a mis son objectif au service du témoignage documentaire sur une ville qui pousse toujours plus ses limites dans l'inabordable au détriment d'une planète en souffrance. John Trotter, apôtre ou témoin des conséquences climatiques sur les êtres humains ou sur la nature, telle est la question. Le réservoir pour l'occasion s'est transformé en galerie agitatrice, celle qui infuse une dynamique pour mieux comprendre ce que demain vous réserve. Je vous amène pour la 3e exposition à l'entrepôt La Rosa. Le thème de cette exposition sont les nouvelles écritures documentaires. La Rosa, l'entrepôt réinvente les nouvelles écritures documentaires dans un genre inédit. L'histoire de la chute du marxisme met sous l'œil inquiet de la vieille Europe et de ses photographes interrogateurs. Exposition. Non mais parle plus fort. Je peux pas. Tu roules comme ça, ça m'en va pas entendre. Allez. Je peux pas parler trop fort. Pour la 4e exposition, nous sommes dans la salle Rio, l'ancien cinéma de Sète, pour la belle exposition de Mathias Depardon. Thank you.
Ici, nous sommes à la Maison de l'image documentaire où du 29 mai au 16 juin auront lieu des expositions. Nina Berman, suivant Miss Wish, s'est plongée dans une biographie à cœur ouvert où le mot humain prend toutes ses nuances et ses racines. Septième lieu, septième exposition au Théâtre de la Mer. Je vais vous faire découvrir ce lieu. On y va! C'est l'exposition d'Adriana Lestido, Algunas Chicas. Adriana Lestido ou la condition féminine. L'exposition est remarquable dans le domaine du militantisme. Vive les femmes! Voici la dernière exposition de Vanessa Winship, résidence à Sète. Nous sommes maintenant à la chapelle du quartier Haut de Sète, où l'exposition de Vanessa Winship a eu beaucoup de succès.